François, tu m'entends pas? Attends, j'arrive. Non, c'est bon, reste chez vous, je t'entends. Hey, qu'est-ce que tu fais, du barbecue? Oui, mais j'ai fini, là, je m'en allais justement dedans. Non, tu commences, ta viande n'est même pas cuite. C'est une nouvelle recette tendance, c'est du barbecue tartare. Ah! Hey, c'est dangereux. Quoi? Ben, c'est dangereux si tu manges ta viande pas cuite, hein? Tu vas être malade. Ouais, justement, j'essaie de perdre du poids. D'ailleurs, c'est le secret des top modèles. Si tu veux garder ta ligne, là, un seul mot, salmonelle. Ouais, mais c'est dangereux pareil. Ben, merci, Jeannot Prudent. Mais là, j'ai faim, fait que je vais rentrer en dedans, Doriane puis Simon m'attendent. Ah, ah, vous mangez pas dehors? Non. C'est à cause de bubite? Ouais, un genre de grosse bubite. Hey, as-tu remarqué qu'on a un nouveau voisin en face de chez vous? Hein? Il est arrivé hier soir. Ah, bravo. Hein? Là, je me demande quel genre de voisin ça va être. Hein? On va apprendre à vivre avec. Oh, t'es pas encore devant la fenêtre. Depuis hier que t'arrêtes pas d'espionner le voisin. Toi qui voulais rien savoir de la banlieue parce que c'était, et je cite, « un royaume de crapets obsédés par leurs voisins ». Pas obsédé. Pas obsédé pas en tout. Ça te dérange pas d'avoir un voisin qui a un nain de jardin devant sa maison? Pourquoi? C'est quétaine. Il y a du monde qui aime ça, un nain de jardin. Pour eux, ça évoque le calme de la banlieue. Tant qu'à y être, ça évoque la banlieue. Qui plante une sculpture d'un petit gros avec une coupe Longueuil. D'un petit gros? Oui, oui, avec des petites sandales, puis des bas blancs, puis des sweatpants qui poussent un carrosse du Club Price, tant qu'à y être. Bon, François, le voisin, il a une petite statue quétaine. Reviens-en. Non, j'en reviens pas. J'en reviendrai pas parce que c'est pas revenable. Il m'impose son mauvais goût. Oui, mais c'est son terrain. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Son terrain? Bien, ça s'adonne que son terrain, il est devant mon terrain. Puis dans un quartier, là, le devant de ta maison, là, c'est communautaire. Hein? Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le décorer avec flyer et original tant que tu le fais pareil comme tout le monde. Bon. D'accord, Sylvain. Puis en plus de ça, là, il y a des standards. Vas-tu appeler Sylvain, toi, là? Mais tu parles comme lui. Son terrain, mon terrain, il y a des standards. Le voisin n'est peut-être pas au courant de vos standards. Guy! Ben, je vais le mettre au courant, puis tout de suite, à passer. Embarque-toi pas dans une chicane de voisin, toi, là. Il y aura pas de chicane. Je vais simplement dire ma façon de penser. J'ai pas peur de m'assumer. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans le quartier. Votre statue est grotesquement quétaine. Pourriez-vous la sacrer au vidange? Donc, c'est ça. J'organise une soirée au Lange, puis j'aimerais ça vous inviter. Ah, oui. Je voudrais bien, mais je trippe pas ces parties grano-là, moi, là, à chanter du Paul Piché puis à croiser des filles avec des robes en terre cuite. C'est pas ça. J'organise une soirée pour dénoncer l'exploitation de la femme en milieu de travail. C'est une soirée de conscientisation. Ah, je te remercie, mais je suis déjà pas mal conscientisée, moi. Oui, bien, moi aussi. De toute façon, Julie, la femme est plus exploitée au travail. Hein. On est en 2003, là. Non! On est peut-être en 2003 sur le calendrier, mais on est à la préhistoire en matière d'égalité au travail. L'équité salariale, ça dit-tu quelque chose? C'est un genre d'équité en matière de salaire, ça? Ça vous intéresse pas, l'équité salariale entre hommes et femmes? Écoute, Julie, là, moi, je conscientise par-ci, je conscientise par-là. Je veux dire, tu me connais, je suis toujours en train de défendre la veuve et l'orphelin. Quoi? Tu ris des orphelins. Qu'est-ce que ça? Au spectacle du Petit Prince, t'arrêtais pas de le blaster. Le Petit Prince? Le Petit Prince, franchement, je veux dire, il est seul sur sa planète, puis il se plaint. Dessine-moi un mouton, dessine-moi un mouton. Dessine-toi des parents, ferme ta gueule. Frédéric, en tant que femme d'affaires, là, il faut que tu viennes. Écoute, Julie, je te remercie, mais je suis bien occupée. Mais je suis certaine que ça va être une soirée super plate. Quoi? C'est super, super le fun. Je m'excuse, des fois je m'oublie puis je dis tout haut ce que je pense tout bas. Petit problème de filtrage. Savais-tu que pour chaque dollar qu'un homme gagne, une femme gagne juste 77 cents? Tant que ça? De quoi tu te plains? De quoi je me plains? L'autre 23 cents, il est où? Hein? Il est où? Si on vous le donne, là, vous allez juste le gaspiller sur des bottes puis des sacoches. Fait que... Regardons ça, j'ai un problème de filtrage, moi aussi. Alex, c'est prouvé qu'en général, les femmes sont payées moins cher que les hommes. C'est de la discrimination. Julie, c'est prouvé aussi que les petites grosses font moins d'argent que les grandes minces. Ça aussi, c'est de la discrimination. On parle pas des petites grosses, là. Alors, pourquoi tu défends pas les petites grosses aussi? Eh où l'équité petite grossiale?
Une femme qui est payée moins cher qu'un homme pour le même travail se fait avoir. Non, non. Une femme qui paye 300$ pour un changement d'huile, là, elle se fait avoir. Si une femme gagne moins cher au travail qu'un homme, c'est parce qu'elle a mal négocié. C'est tout. Fred, viens donc, s'il vous plaît. Ah. Ça va être plein de femmes inférieures à toi qui vont vouloir tes conseils. Belle occasion de te sentir supérieure, non? Ben, vu comme ça... C'est à quelle heure? 7h. Alex, si c'est les femmes qui t'intéressent tant que ça, ben... C'est toi qui vas y en avoir plein. Des belles femmes sous-payées, insécures. Donc, vulnérables à tes avances infectes. Pardon, problème de filtrage. Je voulais dire vulnérable à ton charme. Ouais. On y va dessus? Puis, est-ce qu'il a mal pris? Il était pas là. C'est plutôt moi qui l'ai pris. T'as pas volé le nez? Non, je l'ai pas volé, je l'ai... C'est un gag. Et c'est quoi, le gag? Ben, ce soir, quand le voisin va venir, il va voir que son nez n'est pas là. Et tu vas lui redonner quand? Laisse-moi calculer, dans 2, 3, jamais. Oh, ben, si je redonne tout de suite, c'est pas drôle. Il faut attendre. Les meilleurs gags, c'est les gags à long terme. Comme quand je t'ai marié. Je pensais que j'épousais un adulte, mais le gag, c'est que j'ai marié un enfant de 8 ans. Surprise! Tu vas aller reporter sa sculpture tout de suite avant qu'on ait des problèmes. Sculpture? J'ai-tu entendu le mot sculpture? Non, non. David de Michel-Ange, une sculpture. Ça, on dirait que ça t'est vomi dans une bande de garage. Pour les problèmes, inquiète-toi pas. Personne m'a vu, j'ai fait ça comme un ninja. François, j'ai tout vu. Et je m'excuse, mais c'était mon devoir. J'ai dû alerter les autorités concernées. Comment ça, t'as alerté les autorités concernées? François, je veux que les gens sachent ce que t'as fait. J'ai rien fait, c'est juste un gag. Mais oui, t'expliqueras ça à la police. Wow, on se calme. Ah, bon. Viens là. Dorian, appelle mon avocat. T'as pas d'avocat? Dorian, va chercher page jaune. Ah, bonjour. J'ai reçu un appel. Monsieur l'agent, c'est vraiment un malentendu. Monsieur l'agent? Non, François. Je te présente Pierre Charrette, journaliste pour l'Hebdo 450. Ah. Journaliste? Oui, il écrit la chronique « Claque dans le dos ». Hein? Oui, c'est une chronique qui rend hommage aux gens qui font quelque chose d'exceptionnel. Hein? Et puis Sylvain m'a dit que vous méritiez une claque dans le dos. Moi? S'il y en a un qui mérite une claque ici, c'est bien Sylvain. Bon, ben, dites-moi ce qui est arrivé, hein? Ben là, Ben, vas-y, dis-y. Ah, il est trop, hein? Bon. Vois-tu, Pierre? Oui. Hein? On a un nouveau voisin, puis il a mis ça sur le devant de son terrain, là. Hein? Ah. François trouvait ça inacceptable. Et vous avez pris la statue? Oui. Pour dénoncer la discrimination que cette statue représente envers les petites personnes? Non, parce que c'est vraiment laid. Parce que la discrimination envers les petites personnes, ça vous dérange pas, ça? Ça vous laisse insensible? Oh, c'est intéressant. Ça va faire un bel article en première page, ça? C'est pas ça que j'ai dit, là. Ben, c'est tout comme. Non. François a vraiment fait ça pour dénoncer l'exploitation qu'on fait des nains. Des petites personnes. Hein, François, dis-y. Oui. Ah oui? Oui. Ah ben, dans ce cas-là, laissez-moi vous féliciter. Je trouve ça très beau. C'est pas tout le monde qui a le courage de ses convictions. Le courage, c'est un grand mot, là. François, t'es un héros. Moi? Un héros? Voyons donc. Sylvain, es-tu à jeun? Oui, pourquoi? Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça, hein? Conscientiser les gens sur la lutte des personnes de petite taille. Oui. Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Il y a un rêve. Je rêve qu'un jour, les gens arrêtent de farcir leur jardin avec des petits nains. Oui, monsieur.
Je rêve qu'un jour, on ne verra plus jamais de plate-bande avec des nabots qui traînent des lanternes. Ah. Non, monsieur! Plus jamais de pygmées avec des cannes à pêche. Oh. Un sacrilège! Plus jamais de petits bouts de chou à cheval sur un âne en train de traîner un carrosse. Oh. Fini! FFI! Aniné! Je rêve qu'un jour, notre société dénonce les nains de jardin. Oui, parce que c'est laid, bien sûr. Mais aussi parce que ça attaque la dignité des personnes de petite taille. Alléluia! Parce qu'on est au 20e siècle, monsieur. 21e. C'est encore pire, hein? Il est temps qu'on arrête de jouer aux quilles avec les personnes verticalement défiées. On a évolué! Il est temps qu'on arrête de les pitcher à bout de bras dans les brasseries. On a maturé! Et il est à peu près temps qu'on arrête de les planter dans un tas de bégonias. Vive François! Vive les petites personnes! C'est pour ça que tu l'as piqué? Piqué? Piqué, c'est volé. Je l'ai pas volé, je l'ai libéré. Ah! Vive nos plates-bandes! Vive nos plates-bandes! Libres! Deux cents communiqués de presse, puis pas un journaliste est venu. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas un journaliste qui est venu. T'as oublié de leur offrir la chose la plus importante. Des bons arguments? Mais non, un buffet gratis. Quand tu sors la bouffe, il arrive comme par magie. Un journaliste, là, c'est un peu comme une mouette avec un calepin. En passant, Alex, je t'invite à souper samedi soir, ça te tente. Ah, merci, je vais en profiter pour aller voir les baleines. Il n'y a pas de baleines sur la rive sud. Ah, je te parle des petits gros qui passent la tondeuse. C'est vrai que si on lui donne à manger, ils viennent se coller sur le char? Alex, ta gueule. Julie, ils sont où toutes les femmes vulnérables, exploitées, sous-payées qui veulent mes conseils? Hein? Ou qui veulent mes caresses? Elle m'avait promis qu'elle serait là. Oui, c'est pour ça qu'ils sont sous-payés. Ils sont pas fiables. Et c'est le journaliste qui fait la chronique claque dans le dos. Ah! Ah, salut François. Ah, salut, M. Charest. Excusez-moi, votre femme m'a dit que vous étiez ici. C'est que j'ai oublié de prendre une photo cet après-midi. Puis j'aimerais ça en avoir une pour compléter mon article. Pas de problème. L'article? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes pas venu pour couvrir ma conférence de presse sur l'exploitation de la femme? Non, mais je pourrais toujours rester. J'ai pas mangé. Y a pas de buffet. Ah, ben faut que je m'en aille, j'ai un deadline, moi. Ma soirée a été un flop total. Je défends une cause extraordinaire pis pas un mot dans les médias. C'est pas facile passer aux nouvelles. Pis François, lui, il fait la une du journal, on le traite comme Charles de Gaulle. Puis pourquoi? Parce qu'il a volé un petit mignon de plante. J'ai une idée. T'appelles qui? Sylvain. Il y a des contacts des médias, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Les médias. Nebdo 450, t'appelles ça un média? J'essaie de t'aider. C'est correct, appelle-le. Oui, Sylvain, c'est Doriane. J'ai un service à te demander. Écoute, tu connais des journalistes, toi? Bon. Ben, je me demandais si tu pouvais pas m'aider pour quelque chose. Ben, viens-t'en, on va en discuter. OK, bye. Il s'en vient. Bye. Salut! T'as fait ça vite? Oui, madame. C'est quoi le problème? Ben, c'est que j'ai organisé une soirée pour conscientiser les gens sur l'exploitation de la femme au travail et l'équité salariale. Il n'y a pas personne, même pas un journaliste qui s'est présenté. Ah! Oh, t'avais-tu un buffet? Ben non! Mais là, on se demandait si tu pouvais pas te servir de tes contacts auprès des journalistes de la région pour attirer des gens à sa soirée de conscientisation. Ah, je peux essayer, mais le mieux, ça serait de faire un coup d'éclat. Comme quoi? Ben, tu sais, dans les années 60, là, les femmes brûlaient leurs brassières. Hein? Mais ils faisaient dur leurs brassières dans ce temps-là. Hey. Pourquoi tu brûles pas tes petites culottes? Ah, enfin, on est arrivé. Chance, je t'ai suivi, j'aurais jamais trouvé la maison. Ils sont toutes pareilles. Pour moi, c'est en banlieue qu'ils ont inventé les clowns. T'avais juste à m'appeler sur ton cellulaire? Ah, ben, ils rentrent pas en région. Hein. Ok, c'est pareil. Je sais qu'on n'est pas en région, là. Comment est-ce qu'on appelle ça ici? C'est la brousse? On appelle plus ça un territoire, je pense. Hein? C'est comme un... La rive sud, ça va être correct. Ah, la rive sud. Hey, on oublie à bien. Tu viens chercher? Ouais, ce serait gentil, oui.
Ils prennent-tu l'argent canadien? T'as-tu fini de rire de moi? Je ris pas de toi, je ris avec toi. Regarde, moi, je ris pas. Ah, ben là, je ris de toi. C'est pas de ma faute si tu veux pas qu'on rit de toi ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, tu m'avais pas dit que tu te partais un mini-pot dans ta cour? Hey. Arrête de me niaiser, là. Sylvain! Sylvain! Hey, tu veux me voir? Mais c'est là que je veux te voir. C'est quoi ça? La rançon de la gloire, François. T'as fait la une de l'hebdo 450. On t'appelle Renin des Bois, l'homme qui vole les nains de jardin pour libérer leur dignité. Quoi? Oui. Oui, t'as touché une corde sensible. Tout le monde s'est soulevé pour libérer les nains de jardin et te les envoie par solidarité. Mais voyons donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Le village du Père Noël. Merci, Alex. Sylvain, débarrasse-moi de ça. Ben, tu veux que je fasse quoi avec ça? Je m'en fous, je vais pouvoir un nain de jardin sur mon terrain. C'est clair? François, t'avais pas demandé à Sylvain de se débarrasser des nains de jardin? Quoi? Dis-moi pas qu'il y en a d'autres dans la cour? Non, ils sont tous chez eux. Il y en a des centaines, puis ils sont bleus. Ben oui, il t'arrête de les peinturer. Sylvain! Quoi? Je veux juste te demander, Attends, j'arrive! Non, 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 c'est beau, reste chez vous. Je veux juste te poser une petite question. Non, reste là. Salut! C'est quoi ça? Je t'avais demandé, là, je veux rien savoir des nains de jardin. Il y en a plus de nains de jardin. Pis c'est quoi ça? Ça, c'est une couche de semi-lustré et hop! Bye-bye, les nains! Bienvenue, les schtroumpfs géants! Oui? Non, Julie, je sais pas ce qui s'est arrivé. Garde, Sylvain est dans le cours, là, je vais lui demander puis je te rappelle, OK? Bye! Sylvain? Oui? Qu'est-ce que t'as dit au juste aux journalistes à propos de la cause de Julie? Parce qu'on avait convenu que Julie organisait un mouvement contre l'exploitation de la femme au travail au lounge à 7 heures. Et, ou moyennant 10 $, elle brûle sa culotte aux tables. C'est bon, hein? Ça fait référence au sexe et à la contestation. Ben voyons, Sylvain, ça n'a pas d'allure. Là. Tout le monde la harcèle. Ben, y a-t-il beaucoup de monde? C'est rempli. Bon, ben tu vois, au moins les gens se sont déplacés. Ça va lui permettre d'ouvrir un dialogue intelligent sur la situation de la femme au travail. J'ai jamais eu honte comme ça. J'imagine. Non, tu peux pas imaginer. Une gang de machos finis. Ah, c'est certain, à un moment donné, j'ai failli les avoir. Comment ça? J'ai réussi à prendre la parole puis à leur démontrer jusqu'à quel point la femme est encore exploitée de nos jours puis qu'en était la preuve vivante, là, avec leurs 10 piastres qui brandissaient en bavant comme des Saint-Bernard. Hein? C'est bon, ça? Puis qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Saint-Bernard? Il y a eu un moment de silence. Là, ils se sont levés. Ils t'ont applaudi. Non. Ils se sont mis à japper. À poil! À poil! À poil! Pauvre toi! Salut! Allô? Salut. Bonne nouvelle, j'ai parlé au journaliste, puis il a décidé de faire la une avec ta photo en première page. T'es pas sérieux? Puis en plus, il va doubler le tirage. Tout le monde va entendre parler de ta soirée d'hier. Devine qui va devenir la vedette de la Rive-Sud. Oh. Hé, en forme? Oui. As-tu réglé tes problèmes de partage? Oui, monsieur. Fini les nabots en plâtre sur mon terrain. Plus jamais. De valeur. De valeur? Tu me niaises? Non, non. Je voulais te refiler mes vieux pneus. Pourquoi? Ben, je me suis dit peut-être que tu voudrais monter des bacs à fleurs à côté de tes nains de jardin. Arrête de me niaiser, OK? Là. Les nains de jardin, là, je veux plus en entendre parler. J'en ai jusque là. Okay? Ah, tu veux dire jusque là? Garde, là. C'est fini. Sylvain s'est débarrassé de tous les nains de jardin. Je veux plus n'entendre parler de ma vie, OK? C'est beau, j'arrête. Bon. Calme-toi, Blanche-Neige. Salut.
Pas encore. François, je voulais juste avertir. Le voisin est super fâché. Il sait que c'est toi qui as volé son aide-jardin, puis il s'en vient. Je veux rien avoir à faire là-dedans. Ben, qu'ils viennent. M'a dit à quel point c'est laid, puis quétaine, puis que c'est une insulte aux personnes de petite taille. Ben, justement, c'était pas vraiment une décoration. C'était plus une statue d'hommage, un genre de mausolée. Là. Un mausolée? Oui, en l'honneur de son grand-père décédé.